Alors bonsoir, je m'appelle Smail Sijlmassi et je vous présente le hang. Alors c'est un instrument de musique suisse, contrairement aux apparences. ça a été inventé en l'an 2000 par un couple de passionnés qui ont travaillé dessus pendant plus de 25 ans. Et donc c'est un instrument de percussion de la famille des steel pan, qui veut dire percussion métallique. Et donc l'alliage, c'est de l'acier transformé, et la recette est bien entendu secrète. Et donc, il est constitué de deux hémisphères qui sont accolés l'une à l'autre et qui font caisse de résonance. Donc c'est creux à l'intérieur. Donc de ce côté-ci, ça s'appelle le gyu. C'est un instrument, enfin la sonorité se rapproche beaucoup du oudou. Qui vient du Niger. Et de ce côté-là, c'est le ding. Et c'est là où on a les notes, il y en a 9. Alors il y a une cinquantaine de gammes différentes. Alors celle-ci, elle s'appelle Izaskiyar. C'est une gamme orientale perse. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Et en fait, c'est dû au fait que c'est un instrument rare. Il y en a entre 2000 et 3000 dans le monde. Et c'est dû au fait que les créateurs ont absolument voulu garder une production artisanale afin que chaque hang soit unique. Et donc, malheureusement, du coup, c'est assez difficile de s'en procurer. Moi, j'ai eu la chance de passer par un autre circuit. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui voulait s'en séparer après un an de recherche. Mais le circuit traditionnel, normalement, c'est il faut leur écrire beaucoup de fois, leur montrer qu'on est fait pour cet instrument. Alors si on a la chance d'être sélectionné, on est mis sur une liste d'attente qui peut durer plusieurs années. Et alors une fois qu'on est appelé, ben, on est amené à se rendre chez eux, à Berne, dans leur atelier. Et pour échanger avec les créateurs et essayer un maximum de hang afin de trouver celui qui résonnera le mieux avec son âme, celui qui avec lequel on se sentira en harmonie. Donc en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que alors qu'on croyait que les instruments de musique, enfin qu'on avait fini d'inventer les instruments de musique, les pianos, les guitares, ces instruments qui ont plusieurs centaines d'années, voire plus. Là, on a un instrument de musique totalement inédit, avec des sonorités inouïes, et qui est très très récent, l'an 2000. Donc ça nous laisse imaginer si on extrapole, que ce qui nous paraît impossible, en termes d'invention, il faut juste persévérer, y croire, et voilà quoi. Et je suis très content d'avoir cet instrument-là.